Bonjour Cossy. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Aujourd'hui, donc, vous faites une démonstration live au salon de l'Expo International de La Rochelle. Oui, je m'appelle Cossy, je viens de Sainte-Marie-la-Mer, un pays catalan, près de Perpignan, juste pour situer la Catalogne. D'où je viens, la Catalogne. Très beau. L'accent est là. Et donc, moi je travaille le papier journal et la bande plâtrée. Donc, papier journal trempé et ensuite je travaille la bande plâtrée. Je travaille tout le graphisme et donc voilà, je modèle, je crée des gueules, moi je les appelle mes gueules. Voilà, donc c'est les gueules, donc c'est des personnages, c'est, comment est-ce qu'on pourrait dire? Moi ça me fait beaucoup penser aux guignols, aux univers de contes. Alors, en fait, des contes, des vieux contes gallois ou des choses comme ça. Complètement. Pas du tout. C'est ça? Si. Ouais. Moi j'ai baigné dans le carnaval, les grosses têtes, les processions, il y a beaucoup de processions en Catalogne et puis en Espagne. Donc voilà, mon univers, c'est le conte, le carnaval, les grosses têtes, les guignols. C'est de la caricature, c'est exagéré, mais il y a toujours une histoire. C'est une histoire que je crée. D'accord. Et je la crée, mais je n'invente rien, car je m'inspire de la vie, du quotidien, de ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends. Okay. Et puis ensuite, je m'évade. Okay, et je me bien. Fais surtout plaisir. On a vu, vous a vu vous évader assez rapidement dans la création. Oui, j'étais absorbée d'un coup comme ça. C'est un petit peu le monde aujourd'hui à La Rochelle. Vous étiez, il y avait vous et votre travail. Donc c'était, c'était très bien. Ouais. Ok, super. Donc là aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de tout réaliser. Il va falloir faire laisser sécher pour ensuite pouvoir mettre la peinture. C'est ce que vous... Oui, alors il y a plusieurs étapes. Hein. Donc le travail du papier trempé qui nécessite quand même un temps de séchage. La bande plâtrée également, donc il faut compter une semaine, 15 jours. Ensuite, travailler donc la forme graphique, deuxième temps, et ensuite la peinture, qui viendra donner, on va dire, du relief au regard. Ce que vous appelez la forme graphique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ajouté papier trempé et des bandes de plâtre, c'est ça? Là, ensuite, je suis en train de retravailler la bande plâtrée pour donner donc du... C'est-à-dire que vous pouvez la redéformer, la remodifier ou vous la creusez? Je la creuse. Vous la creusez. À ce moment-là, je vais rajouter soit de la matière, soit en enlever. D'accord, super. J'observe la nature, j'observe aussi les animaux, j'apprends beaucoup. Je n'invente rien, encore une fois. Mais les guerrières Drosera, moi, je les ai baptisées comme ça parce que je me suis inspirée de la plante Drosera, qui est une plante insectivore. D'accord. J'en ai eu à la maison pour mes enfants, donc elles ont une particularité, elles sont très belles, elles sont très attirantes. Et donc quand un insecte vient se poser, parce qu'il a envie de butiner, ce semblant de rosée, à ce moment-là, il se colle dessus, donc c'est un leurre. Mmh. Elles sont emprisonnées, et là la plante se recroqueville et va emprisonner l'insecte et prendre le temps de faire son festin. Ouais. Voilà. Voilà, donc c'est en fait, Voilà. On a tous connu quelqu'un avec qui ça nous fait penser. Voilà. Donc, moi, je me suis inspirée de ces plantes et puis et j'ai transposé donc, ce travail comme ça, un peu vorace, sur mes guerrières. Mmh, d'accord. J'ai travaillé le regard. Okay. Et le regard à travers donc, ces guerrières, le genre des Drosera, c'est. Oui, voilà, j'ai celle-ci qui a fait peur à un petit garçon. Ouais, bah, c'est, il y a beaucoup de force, hein. Franchement, je suis pas étonné que ça fasse peur à certaines personnes. Une planète qui est malheureusement malmenée par les hommes, et avec tous les drames que l'on voit au niveau climatique. Et la nature, elle est là, elle existe, hein, il ne faut pas la tenir. Et donc, Drosera représente cette nature qui, malgré tout, se défend et absorbe cette humanité qui a maltraité. Donc voilà les yeux, voilà pourquoi tous ces regards comme ça, effarés, absorbés, qui vont être emprisonnés et dévorés tout simplement par la terre. Que moi je laisse le libre choix à chacun d'apprécier ou pas. Ça ne laisse pas une différence, ça c'est sûr. J'ai déjà eu des réactions, toujours de la curiosité, ça c'est très bien. Mmh. Après, chacun invente, crée son histoire par rapport à son vécu, parce que certains y verront une certaine agressivité. D'autres ont été dérangés, c'est vrai. Mais bon, on vit dans un monde. Mais c'est de l'expression humaine très forte, effectivement. Oui. Vous la caricaturez, vous l'étirez comme ça. Oui, et complètement. Du coup, ça fait un effet forcément sur le spectateur. Je vais vous dire, c'est moi, tout simplement. Je me laisse aller, puis les choses viennent comme ça.
Et il m'est arrivé, bien sûr, de tenter pour faire plaisir, parce qu'on a toujours envie de faire plaisir, de faire un travail plus, on va dire, plus lisse. Mm-hmm. Bon, ça ne me correspond pas du tout. C'est pas du tout. Voilà, je suis très mal à l'aise d'ailleurs. Donc voilà, j'essaie d'être le plus naturel possible et voilà, je ne sais pas faire autre chose. C'est cool, c'est très mieux, franchement, parfait. Voilà. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet? Je crois qu'on peut vous retrouver au moins sur Art Majeur. Alors j'ai Art Majeur, YouTube également, j'ai une chaîne qui est en train de se développer. Non, on mettra la place de la chaîne pour découvrir plus. Voilà, Côté Sculpture. Très bien. Et donc sur TikTok, alors c'est mon fils qui s'occupe. Parce qu'il est plus alerte, hein. Ouais. Donc TikTok, Instagram et Facebook. D'accord, voilà. Très bien, merci, voilà. Super. Moi, je vous souhaite une belle créativité. Ne changez rien à votre manière de faire. Merci. Merci beaucoup de partager ce moment de création ici. Merci, je continue. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Au revoir. We'll be right back.